Et avant de commencer l'épisode, on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, la petite cloche, ça c'est le plus important hein, pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. À laisser un petit commentaire si l'envie t'en prend et bonne vidéo. Et bonjour, bonsoir à tous les amis, c'est Koji et on se retrouve avec MacPK pour l'épisode 67 de PRO à Nenucrik. Et bonjour, bonsoir tout le monde. Et comment ça va? Eh bien ça va très bien et toi? Eh bien fort bien, on est prêt à reprendre l'aventure et plutôt reprendre les expéditions dans les bases des équipes de criminels. Donc la dernière fois on avait fait la team Magma. Exactement. Et Coup cette fois nous allons faire... La team Aqua. Oh là là, cela va de soi. C'était dur hein. Honnêtement. Franchement, ça fait sens hein. C'est vrai. C'est quand même bien fait. Et du coup, si comme dans les jeux, la base de la team Aqua se trouve là-haut, ben c'est là qu'on doit se rendre. Si je cachais les Pokémon de la zone, on verrait peut-être mieux. Tu vois la petite grotte là-bas? Et je vois. Eh ben, il y a fort à parier que ce soit là-bas, comme dans les jeux. Après tout, c'était fidèle au jeu pour la base de la team Magma, pourquoi pas celle-là aussi? Du coup, il y a de se faire agresser par Awelmer. Alors, est-ce qu'il y a des Pokémon dans la base de la team Aqua? Non, il n'y a rien. Alors, il n'y en avait pas dans celle de la team Magma, alors je... Non, je pense qu'il n'y en avait même pas dans les jeux, tu sais. Non, il y en a pas. Pourtant, il y a moyen que dans celle de la team Magma, il y en ait. C'est beau. Bon, je ne sais même plus. Ah, je suis même pas dedans. Ah, oui. Ah bah, comparé attends, à dans les jeux, c'est moins aménagé. Je t'attends en haut de la plateforme. Oh, ah oui, c'est vrai que c'est joli du coup. Allons-y, Serge. Y'a personne. Ah bah c'était facile, hein. Bon, franchement, ça va être... Ah bah, moi qui disais que c'était pas très aménagé, je regrette. Je retire ce que j'ai dit. Oh attends, premier t'es combat. Qui MDR. Un intrus, je dirais. Bah non. Ah non, bah non, on m'avait dit, tu m'as quoi, petit poison. Aïe aïe aïe. Excusez-moi si je tousse hein, d'avance, j'étais malade la semaine dernière, du coup, tristesse. Ah bravo. Je préfère prévenir que guérir, bon non, c'est pas approprié dans cette situation. Ah bah du coup, hein. Ça marche pas très bien. Là. Ah, misère. Ah, pourtant, on a attendu avant ton épisode. Hein, ouais, bah, on tourne deux jours avant, hein, donc... Exactement, nous sommes jeudi, et normalement, c'est ce samedi que paraîtrait l'épisode. Du coup, ah bah bravo, me fait troller. Et voilà, et voilà. Game de l'XP et de l'argent, c'est parfait. Ah bah ça c'est des sbires généreux hein. Ah, du coup, là j'essaie de switch comme on peut, toujours dans l'objectif d'XP. Ouais, toujours la notion d'XP. Hein. Est-ce que je rate un truc en haut d'abord? D'ailleurs il y en avait aussi dans des versions originales. Ah il y a un sbire là-haut, je vais le faire quand même. Les bases sont si modernisées. J'arrive. Arrête-toi, tu n'iras pas plus loin. Je t'arrêterai ici. Tu te répètes un peu, mec, mais c'est pas très grave, on t'en veut pas. Toujours plus. C'est pas beaucoup de Pokémon. Y'a pas beaucoup de Pokémon haut, hein. C'est un peu des menteurs. Hein. Ah ouais, bon après, ouais, bon c'est chiant hein, pour mon Junko. Ah là là. Après, bon, ça m'arrange un peu. Mais... Il te faut de l'XP sur Lagron, toi. Sur Lagron et sur Capoeira. Ce qui fait que ça m'évite. Ah, Capoeira, c'est un peu chaud en vrai, ces types. Bah, ça va, il y avait type poison avant, donc vu qu'il a tunnel, ça va. Ouais, bon, par contre, notre Ferrato, c'est un petit peu dur. Oh là là, il faut non seulement switch, mais en plus, il faut que je touche à toi, c'est terrible. Allez, oust. Toujours pas de Pokémon. Oh, ouais. Non. Merci en tout cas pour le call des Pokémon haut, hein, parce que comme ça je peux me préparer et perdre moins de temps. Galam. Oh non, il m'a endormi. Ah mais c'est type. C'est incroyable ça. Bon, allez, je n'ai pas dit le Pokémon mais. Non, t'inquiète pas, mais je m'attendais à du type poison, je me suis dit, bon, Galam, pas de problème. Bon bah ténèbres, bon bah écoute, après il s'est pris un close combat, il reviendra pas. Hein. Ça. Quel plaisir. Ah merde, j'ai pas envie de switch de Pokémon parce qu'après je vais être obligé d'utiliser un réveil sur mon Lagron. Non, je vais te réveiller en combat, je m'en fous. Ouais, parce qu'il est endormi. Baillement ou. Ouais. Quel plaisir, Baillement. Ah, du coup, c'est moi qui t'attends.
prendre le téléporteur. Est-ce que ça fait comme dans... Enfin, quand il y avait des téléporteurs dans je sais plus quelle arène, et du coup on voit les gens se déplacer à travers la map. Ah, il y a celle de Morgane dans Kanto, il y a... Je pense que celle de Vermilava, c'est considéré comme des TP. Ah, ils ont corrigé ça. Ah bah... Mais c'est si rapide. Bah... Mais... Qui êtes-vous ? Bah c'est étrange quand même. Bah, écoute, Nice. C'est une admin. Mais c'est une admin magma, j'ai mais oui, c'est ça. Mais... Excuse-moi, j'ai un cerveau lent. Mais qui êtes-vous ? Bonjour. C'est quand même sacrément curieux. Je savais que tu viendrais. Dommage, tout est terminé maintenant. Nous allons terminer nos plans. Et on les a réussis. Et... Non, pour les réussir, nous allons te battre. Mais ce n'était pas prévu du tout. Non, ça c'est clair. Ce qui est encore moins prévu du coup, c'est que j'ai jump en premier, yes. J'adore ma vie. Du coup, c'est un camérupt, c'est parfait pour moi, mais... Oh, il a fait rupture, il va m'OS. Il m'a donné 121 000 d'XP, hein. 121 000, qu'est-ce que j'aurais apprécié que cet XP parte sur Junko. Changer le monde, nous gagnerons, nanana. Je te laisserai... Ah, elle chante en plus, trop bien, quoi. Nanana. Ouais, ok, bon, ils chantent, je sais pas, ils sont drogués, hein, sûrement. Ah, pas de peau, hein. Par contre, quelqu'un bloqué ici, donc je vais voir tout de suite. Mais c'est meilleur, mais on est où? C'est comme si elle était hypnotisée en vrai, sa façon de parler. Appelez Shelly. Shelly, c'est l'admin de la team Aqua. Oh, mais... Ouais, attends. Avant d'aller l'affronter, regarde, va vers le haut, là. Tu aperçois bah, ce que elle. Bah, c'est Shelly, hein, mec. Voilà, elle était pas si loin que ça, finalement. C'est juste un petit rappel. Ah bah non, ça sert à rien de rappeler mais mon Pokémon de type plante. C'est un membre de la team Magma. Quelle vie. On se prend un peu jusqu'au bout, ici. Ah oui, donc ils ont fait un pacte pour que la team Magma les aide. Ah. Mais c'est pourquoi ils partagent la base en deux. Mais on nous a demandé de venir... Ah, non. Faut vous mettre d'accord. Hein. Soit on vient vous aider, soit vous... Soit je sais pas, vous faites rien, j'en sais rien. Mais... C'est moi, il se fait un prélèvement de destin, là, le Smogogo. Oui, mais à chaque fois que j'en croise, il me fait une explosion, du coup. Mec, j'ai fait 3 hydrocanons, j'ai raté les 3. Ah oh merde, misère. Maintenant c'est à cause de l'XP, c'est mon lagon qui a le plus d'XP maintenant. Oh. On va switch. Il a un PV, tu peux mourir s'il te plaît. Après ça, on va juste soigner un petit peu. Et voilà. Ok, Mazin. Et le fameux saut caméra. Ah, je croyais que c'était un tapis au bout, mais pas du tout. Bah c'est une petite piscine. Ouais. Je voulais marcher dessus, mais bon. Tu t'appelles pas Jésus, jusqu'à faute du contraire. Pas de chance, hein. Ouais, malheureusement. Ce soupir plein de désespoir. Alors, un autre grunt, est-ce que t'as pris le TP? Ah non, tu es là. Alors, je les affronte tous, parce que si on est amené à revenir ici, et vu qu'il y a 3 téléporteurs, on va sûrement revenir ici. Il y a moyen, ouais. Par contre, Charmion contre ça, ça m'intéresse pas trop, on va pas se mentir. Mais qu'est-ce que ça? Un truc, comment es-tu arrivé ici? Tu as peut-être réussi à battre ce sbire de la team Aqua, mais tu ne me battras pas. Ok. Ah, oh, camérupt, oui, du coup, à la base. On s'y attend pas, hein. Hop. On va faire ça. Ah, oh, mais putain, ouais, mais comme par hasard. Comme par hasard, je fais tunnel, il fait séisme, mais... Bien entendu. Pas d'attaque feu. Lui par contre, pas ouf. Allez. On va encore changer. Ou alors. Comment ça? Peut-être ça passe. Un close combat, ça fait toujours l'affaire. Bah, pas cette fois, j'ai l'impression. Alors, c'est sur quoi? Alors, Smogogo, ça tank plus qu'il n'y paraît, Smogogo. Ensuite, il a mis qu'un coup dur. Est-ce que j'ai un truc contre lui? Ils sont infâmes à spam prélèvement de destin, par contre. Ah, ils font jamais ça. Non, bah moi, ils font ça souvent. Belch, c'est quoi Belch déjà? Je sais pas, il me l'a fait aussi. C'est pas dégommage ou une. Non, c'est pas. C'est, ça peut pas être dégommage. Parce que c'est super efficace contre mon Junko. Ça doit être un truc poison. Y'en essaie pas. Que jouer, toi.
Il faudra qu'on recherche. C'est notre devoir pour le prochain épisode. Si on s'en rappelle. Ouais. Une demi-heure plus tard, on s'en souviendra déjà plus. Voilà. Mettez pas de commentaires, on va enchaîner les épisodes. Alors, faut, comme souvent, en vrai. Là, vous n'en verrez plus pendant un moment. Bon, lequel on prend? Est-ce qu'on se sépare? Oh là là, audacieux. Oh là là. Moi, je vais tout là-bas. Moi, je vais ici. Oh, viens ici, en fait, Sash. Ah, non, en fait, viens pas ici, Sash. Ah, t'es sûr? Je me suis fait prank. Ah, il faut taper des gens ou pas? Bon, faut taper une boule de type rouge et blanche qui m'a bien pranké. Ah, bon bah, plus, hein. Il m'a dé... Elle prend pas le téléporteur allez, non plus. T'es sûr? Prends celui qui est entre les deux. Oui, parce que attends, c'est juste... y a un autre téléporteur sur mon chemin aussi. Ah. Ah bah, je vais peut-être te rejoindre, alors. Ah oui, je reconnais. Je reconnais, mais c'est bizarre, parce que dans les jeux, c'est un petit peu dans le sens inverse. Moi, j'ai pris le téléporteur qu'il y avait entre les deux, et je suis tombé sur un autre sbire, du coup. Ah. Tu l'affrontes? Oui. Alors je vais faire de même. Je suis là. Je serai dès qu'il sort un tipou en premier parce que là franchement. Je pense. J'en ai marre. Oh j'en ai ma claque. Ah mec, je te jure. Genre j'ai fait exprès de pas régène mon Junko parce que je me suis dit bah écoute, il va encore commencer avec un Nosferatu, un Smogogo, un Grayena et pas du tout. Oui, effectivement. Ah mais merde, il m'a fait un coup critique, il m'a one shot charmé, hein, j'ai oublié. Au pire, je dis des super bonbons pour faire rattraper son retard à Delco. Non, c'est pas encore. Super bonbons. Ah, je les réserve pour mon sixième Pokémon que j'ai toujours pas. Hein. Et bah ça ne servait visiblement à rien. Hein. Non, on peut même pas dormir dans le lit, mais qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est on dirait une chambre, mais genre une chambre dans laquelle tu ne peux pas dormir. Ouais. Tristitude. Bon, attends, mais t'as pris... Ah, mais t'as pris le téléporteur après. Oui. Y'a rien du coup. Non. Le tout premier téléporteur, y'a rien non plus du coup. Quelle tristesse. Ouais, y'a rien. Bon bah, faut suivre mon chemin. J'y arrive. Je m'en doutais en vrai. Qu'est-ce que tu vas voir? Ah, tu fais l'électrode ou pas? Oh, une Pokéball, non. Oula. Est-ce que tu te souviens de cet endroit dans les jeux? Je m'en rappelle, ça fait longtemps, putain. Ça fait... Ouais, mais du coup, oh, normalement, on starte d'en haut. Ah, mais on a pas trop le choix. Ah, mais non, on peut... Ah, bah je suis atterri dans une salle sympa. Ah bah... Enfin, tu vois, elle a l'air sympa, il y a un météorite au milieu. Une météorite. Ouais. Un Grunt! Tapons-le. Eh, j'ai un drôle de feeling, mais je pense que c'est le bon chemin. Je n'estime pas notre organisation, donc tu vas voir. On va close combat ton organisation, tu vas être déçu. Vroom. C'est si puissant. C'est si puissant. Je vais mettre 8 pp à mon Galan sur close combat parce que c'est vraiment trop fort. C'est cassé. Ah, alors là... Il semblerait que nous arrivions au centre déjà... de recherche de la base. Ah, j'arrive. Je t'attends. Bonjour. C'est Team Magma encore, c'est de la triche. Ouais, non mais... C'est pas ce qu'ils foutent là. Ah, j'attaque oui. L'autre en premier. Mais... Je dois terminer ça le plus vite possible. Quiconque me perturbera subira ma colère. Mais monsieur... Je lis les dialogues en différé. Ah, c'est vrai. Qu'est-ce que moi je lis pas. Et monsieur, il a un Medina niveau 50. Oui, moi aussi. Oh, Raph, me dis pas que c'est des copier-coller. Ah. C'est quoi son deuxième Pokémon? Un Medina, mec. Moi aussi. Niveau combien? 50. 50. Ça, c'est génial, dis donc. Ouais. Attends, ça donne beaucoup d'XP ou pas, en vrai? J'ai pas fait... J'ai pas l'impression. 13 300. Ah, 12... Oh, moi, je prends 12 750. Voilà. Qu'est-ce que j'aimerais avoir mon Junko à ce moment précis, mais j'ai pas envie de le revive tout de suite. Ah, super, le Charmignon il peut one-shot des Pokémon, parfait. Oh, il est si fort. C'est de l'XP gratos. Par contre, c'est juste un peu long. Moi
Moi ça, je les one shot. C'est ok. Bah moi aussi, mais genre... Ouais, il y en a beaucoup. Ça reste un peu long. Surtout pour le faire deux fois. Ah, t'as déjà fini le premier? Ouais. So fast. Hop. Je vais à peine finir le enfin mon premier et ton deuxième. Quelle tristesse. Hop. Allez, speed up. Oh, bâtard. J'ai pas one shot le deuxième. Il m'a donné ma sous par contre. Ah, j'ai pas capté. Il m'a donné 1350, je crois. Putain, il a réussi à me faire baillement du coup. Mais ouf. Attends, mais Diana prend baillement? Bah écoute. J'étais même pas au courant. Ah, mais il spawn que ça, MDR. Bizarre. Mais Mediena codait bizarrement. C'est un combat très intéressant, comme vous pourrez remarquer. Oh, il a changé d'attaque. Quelle menace. On s'attend pas. Allez, encore 3. On peut y arriver. On va se tomber à sache. 2. Ouais, moi aussi. On peut le faire. Encore 1. Ah, ils font le point du suceur, ils attaquent plus vite là. C'est de la triche. Ouais, il me l'a fait qu'une fois. Ouais, j'avoue, j'ai pas fait trop gaffe au précédent, mais je viens de capter qu'il y en avait un qui venait de me le faire du coup. Voilà. En vrai. What the fuck? Lui, mon Galeking a quand même pris un gros niveau sur. Lui, il disparaît, mais lui, il disparaît pas. Triche. Ah, bah je sais pas, je l'ai pas encore battu. Voilà, je l'ai battu. Bien joué à toi. Ah, parce qu'il faisait, il faisait des tests sur les Mediena. Ah, les bâtards, c'est bon. Vas-y, prends le téléporteur, ah. je ferai mon jump. Oh, je viens de te TP juste à côté, mec, c'est bizarre. Ah, mais du coup, tu vois pas ce que je vois. Non, deux secondes. J'hésite à y aller. Mais non, attends, no hesitation. Si, j'hésite, hein. Vraiment. Non. Si, j'hésite. Bon, attends, je mets juste un PP up sur mon Galan. Crois-moi, j'hésite beaucoup. Bah, je te crois, mais... Je pense que ça va bien se passer, mec. Ça va bien. Oh, je sais pas. Ah! Bon, allez. Si tu le veux, hein. Bon, écoute, mec... mec, pourquoi tu bouges pas? Pourquoi il crie je sais pas. C'est vraiment bizarre, dis donc. Il m'a explosé mon junk, quoi. Merde. C'est vrai qu'il a tanké, cela dit. Il était mis de la file à tanker. Bon. Aïe, aïe. Coup dur. Ça, je veux pas de l'XP gratuite, c'est vraiment bizarre. Bah, hein. Je comprends pas, mec. Là, c'est la dernière salle, normalement. Ils sont vachement à côté, eux. Tu prends celui du haut et moi celui de droite ou l'inverse? Je sais pas. Comme tu veux. Vas-y, en haut. Let's go. J'ai des recherches, j'ai des chercheurs. J'ai une salle, une énorme salle mais vide, du coup je vais te rejoindre. Attends, je vais voir l'énorme salle vide. Enfin vide. Elle a l'air vide en tout cas. Oui, elle est vide. On dirait une salle de générateur, mais il y a des TP dedans, faudra y repasser après. Oh, putain. Let's go faire la salle de chercheurs. Ouais, j'avoue. C'est la base des TP. Oh, on entend l'orage gronder. Ouais. Ah, si jamais on va... Non, mais ils font des recherches avec des... Ça me dit quelque chose. C'est une impression de déjà vu, oui. Ah. Si jamais on rate des choses ici, dites-nous. Hein. Si jamais c'est trop chiant hein, de faire des médianas en boucle, on va peut-être mettre une ellipse. Envisageable, en vrai. À voir. Ça, 4 combats avec 5 Mediena, c'est dur, on en aura tapé 20 en moins de 5 minutes. Oh oui. On va faire une extinction, hein, on va pas comprendre. Parfait pour Capoeira tout ça. C'est le seul truc que tu vois toi. Tu vois pas l'extinction des Mediena. Bon après il y en a tellement sur la route 1. Mais les Pokémon ils ne meurent pas, ils sont juste KO. À quoi sert la tour Pokémon, Sash? Triggered! Bon, c'est compliqué, hein. Y'a pas vraiment de logique en vrai sur la mort des Pokémon. C'est comme s'ils mouraient de vieillesse, mais pas de combat. C'est trop stupide, genre. Bon. Ah bah. Comme ça, hein. Oh, mais Sash. Oh, niveau 49, oulala!
Oula. Il y a de la régression. Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sommes-nous donc pas à la hauteur? Terrible. Pourtant, on leur roule dessus. Ah, 51, bah il y a comme un équilibre. Hein. C'est curieux, hein, en vrai. Bon, ils se sont dit, bon, ça nous fait chier de coder 5 mecs avec les mêmes médiéna, on va en mettre un avec des petites variations de niveau. Hein. Et un autre niveau 49. Je retrouve à peu près un équilibre dans mon équipe. En termes ouais, de niveau. Ouais, moi aussi, je suis content. C'est entre 59 et 60. Ah, pareil. Bon, sauf Alex Wynn qui est 61 parce qu'il y a eu un petit troll à un moment donné. Ouais, mais il triche lui. J'ai 2,59 et tout le reste est 60. Mais pareil. Parfaitement parfait. Allez, donne-nous l'argent et on file. Que dis-je, l'argent et l'XP. N'oublions pas l'XP. 844 dollars. On va faire une PP plus aussi. Parce que là. Je t'assure que les prochains chercheurs, s'ils ont des médiéna, ça va être un petit peu redondant. Attends, ça va prendre quoi? Ah non, je t'attends dans la grande salle des générateurs. J'arrive. Hop. C'est vrai qu'il y a des. C'est vrai qu'il y a des écrans devant les grosses turbines, mais. C'est... illisible! Hop, j'arrive. Alors, en tout cas, la base est bien plus modernisée que dans les jeux. Du coup, la grande salle. Mm-hmm. Voilà. Je prends celui à droite. Je prends celui en haut. Yeah. Ah bah alors là... Ah bah y'a un... mec, y'a encore un chercheur. Ah mais non, mais mm-hmm. Merde, c'est la même salle où on était. Oh non, ah, c'est bah pas moi, du tout j'ai le un même. Magma Grunt. Oh, ça m'a renvoyé à un autre endroit. Bon, attends, j'arrive. Parce qu'il faut pas qu'on se fait tout. Ne prends pas le téléporteur. Oh, ça sérieusement tremble, ça tremble vachement en arrière, mais ça, j'arrive. Ok, bon, tu prendras mon TP du coup. Enfin, je t'apporte. Ouais. Oh non! Mec, je crois qu'il m'est arrivé la même couille que toi. Ouais. Parce que en revenant en arrière, tu retombes sur le truc avec les rangées de téléporteurs? Ouais. Bah, il m'est arrivé la même, quoi. J'ai pas eu autant. Oh. Je pense que t'as eu pire que moi en vrai, mais. Non, oh, MDR, je suis là! Sache! Ah, bonjour. Ah, mais attends, mais y'a que deux téléporteurs? J'ai pas compris, j'ai remonté les téléporteurs jusqu'à celui-là. Bon, mais c'est attends. Curieux. Soit ton chemin c'est le bon, soit les deux sont faux. Y'a un grunt plus loin, du coup, c'est peut-être celui-là. Un grunt magma. Eh bien, allons-y. Tapons-le, c'est parti. Il avait qu'à pas être là. Je vais te montrer la puissance de la team magma, ou pas. Ils sont vraiment originaux ici. Le discours ne change pas. Ténèbres, c'est apprécié. Un autre peut-être? Ah, absolument pas. Ça me contraint en switch par contre. C'est compliqué. C'est compliqué. Ah oui, ça c'est même très compliqué. On va peut-être switch. Hein. C'est conseillé. Ouais bah j'ai pas eu le temps. Comment ça? Il a failli one shot en fait. Attends. Il t'a fait poursuite? Non, c'est juste que j'ai voulu l'attaquer. Ah t'as passé un tour? Ouais ok. Je vois. C'est compliqué. Pour moi ça va, j'ai envoyé Galeking, il a pris un PV à chaque fois qu'il attaquait. Donc... Mais maintenant c'est Sveleus qui est le plus bas level. Je ne suis peut-être pas capable de te battre mais... Mon chef le pourra. Bien. Ouais, c'est ce qu'on dit. Reste à voir, ouais, exactement. Son prétentieux as fuck. Surtout toi. On switch et j'arrive. Et c'est parti. Ah ben voilà. On s'est donc pas trompé de chemin. Allez, à l'attaque. Madame. Oh, je te croise même alors que je ne suis pas à l'heure. Peut-être qu'on était destinés à se rencontrer. Mais en fait, je suis énervé maintenant. Tu veux faire quelque chose d'utile pour une fois dans ta vie? Putain, calme-moi, d'accord. Oula, madame. On va la calmer. Oh, par contre, c'est un peu au niveau tout ça. Oula, madame. Sclobash. Bah... il m'a fait taunt. Moi, il m'a fait Sclobash, et Sclobash, c'est... C'est coup de crâne, je crois. Tu charges l'attaque pendant un tour, et tu balances une grosse attaque au tour suivant. Je l'ai one shot.
Ouais, mais moi j'ai mes Veleuse, du coup je vais pas le one shot. Il va peut-être me one shot, cela dit. Non, même pas, il est faible. Je me sens un peu plus calme, merci. Alors, en guise de ma gratitude, je vais appeler un de mes collègues et tu vas te faire battre bientôt. Oui. Nice, on attend ça. Où il est, tu vas devoir le trouver. Hein? Mais du coup. Mais c'est chiant en fait. Toi en arrière, je suppose. Oh, c'est chiant, va falloir qu'on retourne dans la salle où il y a 3000 téléporteurs. C'est ouais, sûr, et c'est là-bas. Genre, bah, c'est ce téléporteur-là qui va nous y emmener. Et du coup, ce que j'avais fait, c'est que, ouais, suite logique, on prend celui du milieu. Ouais. Je crois que j'étais retourné sur celui de gauche. Merde, je me absolument suis pas. Non, non, faut monter. Hein. Ah. Il me semble qu'il faut monter. Attends, faut monter. Oula, ouais, attends, c'est ça, en fait. Je viens de savoir, il y a 3 téléporteurs. Ah, t'es où? Bah. Alors celui du haut faut pas y aller parce qu'il nous ramène dans la grande salle avec les générateurs. Celui de gauche Moi j'arrive de celui de gauche du coup. Ah merde, moi j'arrive celui de droite. Bon bah mec, on va chercher au pif, allez hop. Allez. Quel ennui. Ça se trouve il y en a aucun qui est bon. Pas du tout. Ok, donc lui ça doit être droite. Ah non, pas du tout. Non, on revient au début. Si je bête. Ça doit être gauche. Ah, donc ça doit être là. Ah non. Ah bah on est de retour ici. Ici ça nous menait où? On l'a déjà battu le Grunt. Ouais. C'est la salle des générateurs? Non, même pas, c'est le chercheur. Putain. Quelle vie. Mais attends, faudrait regarder par rapport au coin de mur peut-être. On l'a jamais vu. On nous sommes perdus. Ah c'est ici. Ah bah d'accord. Ah mais oui, c'est d'accord. Oui. C'était une salle où on était déjà passé aussi. Oh. Eh mec, on est tombé dessus on purpose, hein. On est si fort. Alors regarde qui est là, tu veux t'attaquer à l'admin Matt, tu vas devoir me passer sur le corps en premier. On va voir. Mais c'est vrai que putain c'est un type feu du coup. Oui. Je vais l'ouvrir. Allez, oust. Ah mais fais pas il ment. Pourquoi ils te spamment tous baillement à toi? Mec, c'est insupportable. Il veut pas que je joue en fait. Insane. Oh non! On dirait que Matt s'est déjà enfui. Et il est bien connu pour nager vite. Je doute que tu seras capable de le rattraper. Il y a Tabitha qui arrive ensuite. Eh, Rusty. Dis-moi où est Matt. Tabitha, tu sais, c'est le fat ouais. Admin de Team Magma. Je suis au même niveau que toi. D'accord. Monsieur, Il vient de se jeter à la poursuite de Kyogre à la nage, puisqu'on avait cet intrus ici. C'est un Américain. Quoi? Ender. Et pourquoi Matt a-t-il autant une tête brûlée? Je lui ai dit d'attendre mes ordres. Monsieur, c'était... Je m'en fiche de ce que c'était. Nous avons de plus gros problèmes que celui-là. Rassembler les troupes et laisser ce... Et... Oula. Et déposer cet enfant au centre Pokémon. Oui, monsieur. Mais où allons-nous, cela dit? À l'endroit le plus détesté de la Team Magma, la route 128. Ah, sous l'eau. Bah la yes. route 128, c'est sans doute la grotte sous-marine où, bah du coup, hein, dans les jeux, c'est soit un admin de la Team Magma, c'est soit Arthur lui-même qui part en sous-marin voler au chantier naval ouais. Pour du coup se rendre dans la caverne sous-marine. Ok, ok. Et du coup, comment ça va se passer avec plongée? On verra ça au prochain épisode. Hein. Ouais, ça c'est clair. Putain, mec, on a fait attends, un épisode normal. Ouais. Ouais, d'une part, mais j'avais un petit truc à rajouter avant de clore cet épisode normal. Viens, suis-moi. Ok. En me baladant un peu dans Nunukri, j'ai vu qu'il y avait des gens là-bas. Des gens. Donc, il y a un phare surtout dans lequel on ne peut pas rentrer, malgré les apparences. Mais il y a aussi des gens. Ah. Mais c'est qui? Alors, ils ont l'air d'avoir une apparence de Team Aqua Magma, et il y a un bateau, donc... Qu'est-ce qu'on fait? Leur parle-t-on maintenant? Je sais pas, mec. Tu veux pas qu'on aille voir ça? On aille voir ça pour le prochain épisode, plutôt? Bah, disons que si on garde ça pour le prochain épisode et que c'est rien, c'est un peu triste. C'est pas grave. C'est un élément, oh, d'accord. C'est un élément de mystère. Alors, arrêtons-nous là et laissons-nous sur ce cliffhanger. Ce sera tout pour cet épisode 67, donc on aura fait la base de la Team Aqua, on espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez pouce bleu, hein, comme d'habitude, commentez si ça vous fait plaisir, ça nous fait plaisir de vous lire. Et du coup, on vous dit à la prochaine, ciao ciao!
Salut.